vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que... J'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Amis, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke ba zui localité moko, to ba betilisa si congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, il faut le retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut saler Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand. Quand est-ce que vous avez l'occasion de me regarder? Quand je commence ces émissions, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perouboara. Je suis congolais, amoureux de son pays et surtout malheureux de le voir dans une situation désastreuse. Ce pays béni des dieux qui est extrêmement riche sur son sol et sur son sous-sol. La République démocratique du Congo, c'est quand même un peu plus de 80 000 hectares de terres arables. C'est énorme. La République démocratique du Congo, c'est des dizaines ou presque 10
1%, un peu plus d'ailleurs, d'eau douce à travers le monde. Le Congo, c'est le deuxième poumon mondial en termes de protection, de lutte contre le réchauffement climatique, avec la forêt équatoriale, le bassin du fleuve Congo et la forêt équatoriale qui vient juste après l'Amazonie. Donc on est largement béni, on est largement béni. Si on était sérieux, on pourra éventuellement, pas éventuellement, on pourra nourrir l'Afrique. Rien qu'avec avec ce que nous produisons chez nous. Mais aujourd'hui, nous sommes non seulement incapables de nourrir l'Afrique, mais aussi et surtout incapables de nous nourrir nous-mêmes. Nous sommes incapables de nous nourrir nous-mêmes. Nous achetons tout à l'extérieur et nous faisons des petits Indiens, des petits Libanais, mafieux pour la plupart, qui ont chacun une sorte de protectorat, des protections au niveau des autorités dans ce pays-là. C'est-à-dire que chaque Libanais, chaque Indien, chaque Pakistanais qui fait souffrir nos compatriotes a derrière sa tête un général, un politicien qui le protège. Et toi, Congolais, quand tu veux parler, il va appeler son parapluie et général tel. Le général débarque avec ces gens. Et c'est très compliqué. Dans notre propre pays, nous sommes devenus des esclaves. C'est très compliqué. Et moi, je rêve, je milite, mais non, tous les jours pour que ça change. Et je reste foncièrement convaincu que si les bons esprits si les bons esprits des Congolais, si les esprits révolutionnaires, ceux qui ont de l'amour pour leur pays se réveillaient et qu'on se mettait tous ensemble, on peut, il y a lieu de croire que le Congo peut aller de l'avant. Et c'est le travail que je me tue à faire. J'ai toujours dit, si une personne, si deux personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je me dirai, je raconterai à mes petits-enfants qu'un jour, le Congo que vous voyez, nous, on vivait dans des conditions très difficiles. Moi, votre grand-père, j'ai apporté ma contribution, ça a failli m'écouter la vie, ça m'a amené en exil. J'ai vécu des situations extrêmement dures, extrêmement compliquées, mais grâce à Dieu, aujourd'hui, vous, mes petits-enfants, vous avez le fruit de tous les travaux que nous avons abattus pour vous. Yande Balobarana Lingala, Pasia Kimbangu et Sengoba Diangenda. Pasia Kimbangu et Sengoba Diangenda. C'est important. Parce qu'après, Papa Simo Kimbangu, c'est un homme valeureux qui a fait un travail remarquable, un prophète de Dieu, qui avait un esprit non seulement de Dieu, mais aussi un esprit révolutionnaire et qui a beaucoup travaillé pour le Congo. C'est lui qui a dit que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est lui qui a fait 30 ans de prison parce qu'il militait pour la liberté, la libération de la race noire. C'est le prophète de la race noire. Lui, il a souffert, il est mort, mais après lui, ses enfants ont profité du combat du père, parce que l'église a finalement été reconnue après que Papa Simo Kimbangu soit décédé, et Papa Diangenda Nkuntsima, qui lui a été le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, a trouvé que le chemin était déjà balisé par le travail très difficile abattu par son père, et il a construit l'église sur le cendre, sur la suière de son père. Yangona lingala babara pas sa diangenda et sengoba kimbangu babara et sengo plutôt pas si simu ya kimbangu et sengoba diangenda. Donc je serais moi aussi heureux de dire ça à mes enfants, parce qu'après tous les pères sérieux, les papas sensés, tous parents, son rêve c'est de voir son enfant non seulement évoluer, mais on a toujours rêvé que nos enfants fassent mieux que nous. Je suis père de famille, j'ai des enfants. Avant, quand on me parlait de ces choses, je ne le comprenais pas trop bien, mais aujourd'hui que je suis parent, je sens ces feelings-là. Quand je me réveille le matin, je sais ce que je veux pour mes enfants, tout ce que je leur souhaite, c'est le bonheur, c'est qu'ils aillent de l'avant. Donc, je comprends un peu plus certaines choses qu'on nous disait en Balouara. Ce n'est pas nos beautés, oui, papa, c'est ma beauté, quoi. Beauté, oui, comprendre, ma parent, c'est important. Ben voilà, ma mère me disait ça tout le temps, je ne le croyais pas, mais aujourd'hui, je me rends amplement compte qu'elle avait raison. Allez, bienvenue Nabino Nyosotou,
Boye imalamu na bino soto bozuli baku malamu kona dapso na poko na lelo na kadre emission na biso décrit info bobo sanate to lobango mikolonio soto ke décrit info yali magazine d'opinion esika otoya ka tozima kambo etambo na mboka to chema kambo ngo likola mesa to bandiko loba ke biso to banzi ke soki to sala yango boye soki to kindaki nango boye nga ko tambola malamu to nga to sala ngo boye donc to ye kaka awa pona ko bomba motote to ye pona ko créer ba problème te to ye pona ko pesa le lengue na biso ko banza makambo pe le lengue na biso ko mona makambo. Donc c'est comme ça que j'ai l'habitude de dire que le décrit info c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les ressentir et surtout c'est notre manière à nous de les partager. J'assume ma manière à moi d'être, je suis quelqu'un d'honnête, je dis des choses parfois de manière crue. Il y en a qui me disent que c'est brutal, mais je suis comme ça. Vous n'avez pas à me reprocher la brutalité de mes propos, aussi longtemps que ces propos sont issus d'une situation très compliquée, d'un peuple meurtri qui s'est fait violenter, un peuple qui s'est fait piller aux vues et aux sues de nous tous. C'est très compliqué. Vous ne pouvez pas me reprocher la raideur de mes propos dès lors que cette raideur-là est issue d'un processus de détournement, de gabégie, de complications issues d'un pouvoir inconscient, irresponsable, qui n'est là que pour piller, qui n'est là que pour détruire et qui n'est là que pour faire du mal. Mais j'ai toujours dit, ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos et tant pis de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Toya, tokabola makanisi, sokomoni mamnalobeza bien, tant mieux, sokomoni amwezamabe, tant bien, tant mieux. Je ne veux même pas dire tant pis parce que chacun de nous a le droit d'avoir son point de vue. C'est comme ça que moi je conçois la démocratie. La démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. Allez, Boye Imala Mounabinounoso, deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. Vous êtes un habitué de l'émission, vous savez exactement de quoi je vais parler. Je suis ici sur la chaîne YouTube de CPL Télévision, votre chaîne. Je voudrais ici vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner beaucoup et massivement. Là, nous sommes à 113 000 abonnés. Merci. D'abord, on s'abonne à qui? Parce que la dernière fois, on a 112 000. Là, je regarde, nous sommes à 113 000 abonnés. Je voulais vous dire à vous toutes et à vous tous, merci de la confiance que vous nous accordez. Beaucoup mis 113 000 abonnés. Na CPL Mingi, mais continuez toujours à vous abonner. Talan de Waza Pembe, na osoka sa bonan anouté. Objectif est d'aller tout comme on a 150 000 et puis tu vas aller vers 200 000, ça me fera beaucoup plaisir. Donc, bandegone soto no baza ba abonné, te na CPL Télévision, na Sengibino, vraiment la main sur le cœur. Bosa langa plaisir, Wana. C'est une manière pour vous de nous soutenir. C'est une manière pour nous, vous, de nous envoyer des énergies positives et de nous montrer que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec vous tous. Dans le bien énergie positive, na gani si spectateurs, je sais pas si on a un pasteur, si on a bien un lobby. Non mais tu parais être chrétien, tu peux pas parler des ondes positives, des énergies positives, ça c'est des histoires occultes, c'est de l'occultisme. J'ai dit, eh papa nangai. Magamanzambo peut trouver mon occultisme en partout. On a dit, ok, oh non, il faut plutôt parler de. Je dis bon. C'est qu'on a dit, ok. Donc énergie positive et tout ça, ils ont occultisme, étaient alors dans le bi, botine la bi, soba sué na bino. Na boi basa mbisangai po. Na biso tes spectateurs, na ilanga mabe abi, abi ona. Pérou, ça passe pas bien, mais tu vois, tu paries chrétien, tout ça, tout ça. Je suis chrétien, mais je ne suis pas dans une mission d'évangélisation ici, dans ces plateaux. Je respecte les avis des uns et des autres. Il y a des athées qui me regardent, il y a des musulmans qui me regardent, il y a des bouddhistes qui me regardent. Voilà, moi je suis partisan de la lutte contre la discrimination. Je suis convaincu que chacun de nous est libre de choisir ses opinions. Et chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura choisi. Donc aujourd'hui, des guerres de croisades musulmans, protestants, catholiques, église des réveils, pour moi, c'est des idioties qui ne nous font pas avancer. Nous sommes par-dessus tout humains. C'est l'essence humaine, le partage, l'amour,
du prochain qui est plus important. Malheureusement, aujourd'hui, même dans ces églises-là, ça ne tient pas. J'étais encore en train de discuter avec quelqu'un qui m'a dit, non, bah, il faut... J'ai dit, mais non, Christ lui-même, Dieu lui-même n'est pas un dictateur. Vous qui parlez de la Bible, Dieu lui-même n'est pas un dictateur. La Bible dit, je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai et je souperai avec lui. Donc, Dieu lui-même vous donne l'opportunité. Mais bon, il est Dieu, il pouvait venir en force, il dit, Nakoti. Mais il dit, je frappe. Quelle politesse, quelle diplomatie, quel respect. Il laisse à l'homme le libre arbitre de choisir. Mais je ne vois pas pourquoi toi, tu viendras m'imposer ta volonté alors que, attendez, tu n'as pas à venir m'imposer ta volonté alors que ça ne se passe pas comme ça. Alors, donc j'allais dire, abonnez-vous massivement, ça me fera énormément plaisir. 113 000 abonnés, c'est beaucoup, mais continuez à les faire. Nous sommes aussi présents dans plusieurs autres plateformes des réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, Perro Soutré Louara. Là, nous sommes à 10 000 abonnés. On avait une chaîne de plus de 50 000 qui a été bannie. Donc, je repris. N'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Retrouvez-nous aussi sur Facebook. C'est Perro Louara officiel. C'est ma page donc officielle Facebook. Et vous pouvez aussi aller vous informer nous concernant sur X. Là, c'est Perro Louara 1. Donc, c'est ma page à Twitter. Donc, vous pouvez donc me retrouver là-bas. Ça me fera énormément plaisir. Et ça nous fera énormément de bien. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est la main sur le cœur de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça, c'est extrêmement important. Et je le demande vraiment avec insistance. Aimez la vidéo que vous regardez et partagez-la parce que là, vous nous protégez. Vous nous protégez contre les actions des malfaisances. Vous nous protégez contre... Makambo ya mbilinga mbilinga makambo ya mitema mabe. Bato ba koluka ba kendo signale ba loba ki ba kenda ki ba zonga ki. Vous likez vidéo et puis vous partagez vraiment et que ça en a vrai bien. La troisième chose que j'allais vous demander, c'est de pouvoir appeler notre ami Judith Londolé, Judith va me pendre, hein, Judith Limbisanga vraiment. Il m'a envoyé les photos de sa nouvelle collection, c'est tout simplement extraordinaire. C'est moi qui ai oublié de mettre ça à disposition de mes équipes pour qu'on vous montre. Une nouvelle collection qui est donc entrée à la boutique La Londoloise. Mais bon, regardez celle-ci aussi. Elle est encore disponible. Donc, à partir de la semaine prochaine, ou plutôt à partir de la prochaine émission, je me ferai le devoir de vous montrer les nouvelles photos. Les photos de la nouvelle collection de Judith Londolé. Judith est donc notre partenaire très, très, très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle est spécialisée dans l'habillement homme. Judith habille donc les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est la boutique La Londoloise. Veste, chaussures, cravate, chemise, maillot de corps, montre, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Les polos comme celle que je porte aujourd'hui n'a qu'une seule adresse, c'est Judith Londolé. Judith Londolé. Si vous voulez entrer en contact avec Judith Londolé, elle est joignable au plus 33 62 60 70 772. Je répète, plus 33 62 60 70 772. Vous pouvez donc joindre Judith Londolé Bitoko à ces numéros-là, 24 sur 24. Commandez vos habits partout où vous êtes à travers le monde. Judith Londolé Bitoko se fera donc le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Allez, c'est parti pour cette émission. Aujourd'hui, je viens vous parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République avec des nouveaux rebondissements. Je vous dirai des choses qui se trament parce que là, Ngeleka se sentant bloqué, on est en train de pousser vers des négociations. Je vous parlerai du contour et je vous dirai une fois de plus, pour vous qui êtes déçus, pour vous Congolais qui pleurez, je voudrais ici vous rassurer une fois de plus. Beaucoup confirmera maintenant Loba, Ngeleka, son nom c'est le départ. Ngeleka est en train de vivre ses derniers moments au pouvoir. Tout est bouclé. Le sort de Ngeleka est scellé.
Ngeleka fuira le pouvoir par la force. Akopakatambangu. Ngeleka va fuir. Monsieur Escarmouche va fuir s'il a la chance. Son pouvoir mafieux, son pouvoir frauduleux, son pouvoir meurtrier qui tue les gens, son pouvoir de bandicrate va arriver à son terme. Aujourd'hui, je vais tenter d'ouvrir encore un peu en vous donnant quelques révélations sur ce qui reste. Je ne vais pas entrer trop en profondeur parce qu'après, j'ai dit deux choses. Il y a certains de mes téléspectateurs qui m'appellent aussi. Parfois, ils écrivent même sur les réseaux sociaux en me disant « Perrault, on ne comprend pas si toi, tu es des mèches avec Ngeleka. » Parce que certaines choses que tu dis partent mettre la puce à l'oreille de ces gens. Ce qui est vraiment lingi Congo, Kolobasu, Makamba. Nazoraba, message, mon rabongo. Mais tu es en train de lui mettre la puce à l'oreille. Tu es en train de mettre la puce à l'oreille. Bon. Il est tellement trop, tellement que Moussa, tout ça, là, mon ponabino, j'ai décidé un peu de temps en temps de tirer sur le frein, comme on dit. Mais rassurez-vous qu'Ngeleka est en train de partir. Je parlerai donc de ça, de la guerre dans l'Est et de la République, du départ de M. Ngeleka avec quelques éléments d'information et de révélations. Je parlerai aussi de la mise en place du nouveau gouvernement et ce qui se trame avec l'ancien Kadhafi, multimillionnaire aujourd'hui, Augustin Kabouya, qui a été nommé informateur. Qu'est-ce qui est en train d'être préparé? Je parlerai de ces choses-là et puis voilà, donc on va aborder toutes ces questions-là. Mais avant, je vous ai dit ici, avant que Ngeleka ne fasse son braquage électoral, qu'il n'y aura pas élection. Et j'ai toujours été conforté dans mes décisions et dans mes prises de position quand je vous ai dit que ce qui s'est passé le 20 décembre, pour moi, ce n'était pas une élection. Et vous en conviendrez avec moi que c'est un braquage électoral qui a été organisé. De l'histoire de ce pays-là, nous n'avons jamais connu un soi-disant processus électoral à ces termes-là. Où les candidats avaient des bulletins eux-mêmes. Des candidats avaient des machines à voter. Des candidats avaient des bulletins. Ils se sont votés eux-mêmes. Ce qui est bizarre dans cette affaire. Aujourd'hui, des gens comme Évariste Boshab Mabouchi Mabilin, des gens comme des Trifon Kinkimulumba, des gens comme des Ngobila, ces bandits-là des Ngobila-là, Gentili Ngobila, ont été sanctionnés soi-disant parce qu'ils ont triché aux élections, parce qu'ils avaient des machines. Mais la plus grande question qui n'est jusqu'à présent pas élucidée, la plus grande question qui n'est jusqu'à présent pas, qui n'a pas eu de sanctions, mais c'est comment ces gens se sont-ils procurés ces machines au cas où c'était vrai. La CENI a sanctionné Boshab. La CENI a sanctionné Kinkimulumba. La CENI a sanctionné Mbutamutu. Mais la CENI n'a jusqu'aujourd'hui pas tiré ses propres responsabilités. Elle était la seule habilité à détenir des machines de vote. La détention, la possession des machines électorales était une exclusivité de la Commission électorale nationale indépendante. Mais ce genre que la CENI a accusé, au point de les invalider, où ont-ils trouvé ces machines? La responsabilité de la Commission électorale nationale indépendante n'est pas encore tirée. Et ça, c'est injuste, tout simplement. Des gens devaient être sanctionnés aussi du côté de la CENI. On ne peut pas trouver des gens avec des machines à voter. Vous les sanctionnez, mais vous-même, vous ne tirez pas vos responsabilités en nous disant où ces gens avaient trouvé ces machines à voter. Il y avait des voleurs, des bandits aux côtés de la CENI, en commençant par le président lui-même, qui a nommé des députés inutiles. Mais la responsabilité n'a pas été établie. Deuxième problème, et ça je l'avais dit, les mêmes machines ont voté un Helmut Ngeleka, M. Escarmouche, alias Félix Tshisekedi. Il a été voté par les mêmes machines. Mais curieusement, lui, il s'est autoproclamé président de la République avec 73%, un score stalinien, avec les mêmes machines qui ont amené sa commission électorale indépendante avec son frère de président fédéral de l'UDPS, Denis Kadima, a sanctionné les autres, alors que lui-même, bénéficiaire de ces mêmes machines-là, n'a pas tiré sa propre responsabilité par rapport à ces machines-là. Tout est donc... C'est la confusion la plus totale, mes chers frères. Et la justice n'établit pas.
J'ai vu que les Boshab, les Kimuta, et plutôt les Ngobila et les autres ont été déboutés par la Cour constitutionnelle. Mais le vrai responsable, au cas où il y avait tricherie avec des machines électorales, les vrais responsables, les coupables de cette affaire-là, ceux qui ont provoqué, aidé à la commission de cette forfaiture, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Personne ne tire la responsabilité de la Commission électorale indépendante. Ces bandes de voleurs, j'insiste, c'est des bandes de voleurs qui vous ont organisé un braquage électoral. Des voyous qui vous disent qu'ils ont organisé des élections aussi chaotiques telles que vous l'avez vu, avec 1,3 milliard de dollars. Des petits voyous, des voleurs jusqu'à la moelle épinière. Ce braquage électoral a coûté à la République 1,3 milliard de dollars américains. C'est énorme, mes chers frères. Je vous ai fait les calculs ici. Corneille Nangaa a organisé les élections en 2018 avec 800 millions de dollars américains. Encore que Corneille Nangaa avait déjà trouvé Malou. Ces 800 millions prend aussi les débuts du processus avec l'abbé Apollinaire Malou. Donc en 8 ans, Malou, Corneille Nangaa, ils ont dépassé 800 millions de dollars américains. Avec plus de 90 000 machines votées, achetées, des cartes électeurs que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui, une cartographie électorale claire. Mais en 8 ans, ils ont dépensé à peu près 800 millions de dollars. Mais ces petits voyous ici, qui arrivent au pouvoir, ces bandits, il est allé prendre son frère Moulouba dans un processus tribaliste. Je vous avais fait la démonstration ici. Vous avez un processus. Peter Kazadi protège les élections, Moulouba. Nicolas Kazadi finance les élections, Moulouba. Denis Kadima organise les élections, Moulouba. Il proclame son frère, Félix Tshisekedi, Moulouba. Son frère est après confirmé par Kamouleta, Moulouba, processus à Balouba. 1,3 milliard de dollars américains. En 2 ans, ils veulent vous dire qu'ils ont dépensé 1,3 milliard. Je ne vous dirai jamais assez. Miyibi. Et dans les 1 milliard, il vous dit qu'il a acheté 22 000 machines à voter parce qu'il a recouru aux autres machines laissées par Nangaa. Nangaa, qui en avait acheté 90 000, a dépensé 800 millions. En prenant en compte aussi Makama Malou. Lui, il achète 22 000 machines. Il vous produit des cartes électeurs délavées où les noms ne sont plus visibles aujourd'hui. Tes élections bâclées, 1,3 milliard. Miyibi. Geleka lui-même, c'est le chef de cette bande-là. Dans les 1,3 milliard de dollars américains, Bakata Balia Soki ba 600 millions de dollars. Bakabolana ba Nicolas Kazadi, Geleka lui-même en tête. Bakop Moussala Bayela Kiangwana, Bandoki. Moussala Bayela Kiangwana Mouibi. Pour ces élections bâclées là, qu'ils vous ont produit là, 1,3 milliard de dollars. Ils vous prennent pour des voyous, ils vous prennent pour des imbéciles et ils veulent que nous puissions croire que Basali Belekson en a 1,3 milliard de dollars. Bande de voyous, bande de voleurs. Basamibi. Le problème de votre pays, l'avenir de votre pays, ce n'est pas leur affaire. Regardez aujourd'hui, quand vous regardez le Congo, vous avez l'impression que le pays n'est pas gouverné. Des questions liées à la gouvernance quotidienne du pays, on n'en parle plus. Le dollar est à combien? Les gens ne sont pas payés aujourd'hui. Le dollar est à combien? Les gens ne sont pas payés. Fonctionnaire à Foutamité, Nani à Foutamité, Maboulou Banzelanze. C'est-à-dire, comme ils ont trouvé maintenant leur déversoir, Rwanda, guerre dans l'Est de la République, tout s'arrête. Ils sont en train de vous distraire. Entre temps, Bazar ou Iba. Bayela Kimouibi. La pègre bruxelloise. Bato Bagina Poto Basaki Lokote.
batanga kasa malunga te eloko bayela ki na Congo za moyibi. Pour eux, la gestion de la République est une affaire des copes. C'est une affaire des copes. Mais là, ils se sont bombardés. Bah, bombardés, bah, tout. J'ai vu l'Assemblée provinciale des Kassai, je crois. Le bureau provisoire qui a été mis en place, il y a une maman là. J'ai dit, mais voilà maintenant les élections là où ça nous amène. N'est-ce pas sur mon allègue vidéo là, en train de parler dans une langue qui s'apparente à la fois au mandarin, à la fois au français, à la fois. Je ne comprends pas. Toi, l'andato, c'est quand même plutôt continuer l'émission. On suit. À qui je rends un virable hommage de sa brillante révélation de la tête de notre pays. Laquelle vision est concentrée, s'il vous plaît. À qui je rends un virable hommage de sa brillante révélation de la tête de notre pays, laquelle vision est concentrée, s'il vous plaît. Pour ce plateau. Wana Boutu Golanda, présidente de l'Assemblée provinciale de Soki à Kassai. Des gens qui ont été nommés. C'est-à-dire que lui-même a fait un beaucoup nommé ou beaucoup nommé. Non, maman, on a pas nommé. Moi, quand les Balouba, Bino Balouba, je vous parle. Balouba, bon fou, on l'a maté. Quand les Balouba ouvrent leur bouche pour parler. Quand les Balouba se mettent en première ligne pour soutenir cet inconscient d'Engeleka. Mais irresponsabilité, oh ya Balouba, moi je comprends pas. Balouba. Ce type, non seulement qu'à 4 ans, il n'a rien fait chez vous. Rien fait chez vous. Bamongo, oh ya Bimi, si pour la Bino Balouba, yemoko yibiango. Ayibi mbongo, ti les gelou, qui devait construire chez lui. Et pas na bango na kasa, yazan et l'okote. Asombi banda kuna ba Ikle na Bruxelles na Belgique, asombi banda kuba ba quartier entier na Dubaï, il n'a même pas pris soin de construire une maison et pas na bango moko na lac Mukambala. Non, il prend l'argent, il va aller boire, ça tu vois c'est sa tembo nanani na Marbella en Espagne. Et les Balouba quand ils ouvrent leur bouche, Bino Balouba. Balouba. Bokotuna kakapesa likola mutoyo. Bokotuna kapesa. Je vous alerte tous les jours bozoko yo kanga ite. Bango wana ba wewa. Bakeko ba tumba ba ambassade. Ba wewa. Ba, la plupart ba tumba tumbi ba ambassade na ba nani. Ce sont les wewa. Et je vous ai dit ici. Ce sont les wewa qui sont allés brûler les ambassades là-bas. Na ba toyo ba voyou ya force du progrès. Ba toyo dépêche. Il prend le pouvoir. Regardez même sa propre province, le Kassai oriental aujourd'hui. Aucun projet, aucune vision. Même les personnes qu'il place à la tête de la province, des incompétents comme lui. Il commence sa législature. La seule province qui était sous contrôle de l'UDP, c'était le Kassai. La province de son père. Il va prendre un incompétent qui ne sait pas écrire son nom, Maweja. Maweja est incapable d'écrire son nom. Il est bombardé, gouverneur. Pourquoi? Parce que pendant leurs difficultés, Maweja, comme c'est un diamantifère, il dépannait son père. Mais là qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils oublient que la gestion de la République n'a rien à voir avec des relations de famille, des relations de dépannage. Se sentant un peu en redevable, basu province Mobimba Kassai, basu Maweja. Junes Maweja. Lui, Maweja, qui n'a pas fait de projet, son problème c'était, les gens ne me respectent pas. Pourquoi vous ne m'appelez pas Excellence? Pourquoi vous ne... Gouverneur se plaignait, pourquoi Bazo Bengi Excellence? Balongo li Maweja, Batye Moussousou, il y a toujours des guerres.
Et ils ont demandé à ce voyou qui insulte les gens en Chiluba, qui est au Kassai, aux États-Unis, qui a appelé le général de la province, de la ville de Mbujima pour l'insulter. Maintenant, ils mettent en place une assemblée provinciale avec des présidents qui parlent cette langue, si c'était du charabia, ce qui est une langue ouane bozoroyokan. Il sacrifie même la propre province de son père. Et ses frères, inconscients qu'ils le sont, au nom d'un tribalisme éhonté, ils veulent soutenir un type comme ça. Ils veulent soutenir un type comme ça. Ils créent des frustrations, ils créent des problèmes à tout le monde au pays. Ils vont au Kassai, ils vont au Katanga, ils vont imposer tout dit coup Bukalenga, Bukalenga Bouetou. Bukalenga Bueno. Ce type est en train de partir. Bukokanga Mangwanda. Bukokanga Mangwanda. Rebina Chuba Balbaran, Vula Wakale Jakaluma quoi. Mboule go bete la bino. Boko. Bokoye Banzela ya Bakwa Diang. Que vous négligez parce que vous êtes aujourd'hui de. Tokota l'attend au frère d'Amina Rosalate. Vous les ouez, qu'est-ce que vous allez faire encore à Kinshasa? Si vous allez continuer à faire les désordres que vous êtes en train de faire. Parce que vous vous laissez aller dans le tribalisme. Vous soutenez un inconscient. Vous soutenez un irresponsable. Qui a détruit les bons vouloirs vivre ensemble. Nous étions dans ce pays-là, on ne connaissait pas l'origine de nos voisins. On étudie avec déjà de plusieurs provinces. Toi, il va quitter Bahouti Wapi. Les lobbies n'ont pas loupé à besoin de pouvoir. Vous voyez qu'on compte sa idée. Moukongo Zalaka, Moulouba Zalaka, Moussoïla Zalaka. Bino Balouba. Avec un tribaliste qui a détruit, qui a déstructuré l'unité nationale. Azo Kende. Tokota Labino. Moula Egobet et Labino Boko Yébanzela Mboka Labino. Vous l'avez déjà calmé. Boko Zonga. Beaucoup se souvenir à ce moment-là que vous aviez un frère. Pero Louara qui n'arrêtait pas de vous dire, mes frères, ne détruisons pas le pays. Ne détruisons pas l'unité nationale. Ne prêchons pas le tribalisme à cause de cet inconscient de notre frère. Beaucoup se souvenir Nangaï à ce moment-là. Beaucoup se souvenir. Beaucoup se souvenir Nangaï. Continuez à frustrer les gens comme vous êtes en train de le faire. Continuez à faire du mal aux gens. Continuez à faire ce que vous faites là. Parce que vous êtes au pouvoir. Votre fin arrive. J'ai vu que Ngeleka, excusez-moi, avant même d'en parler, laissez-moi lancer ce message de compassion à l'endroit d'un homme. Salomo Idika Londa, si la régie peut me trouver sa photo. Je viens de lire que ce soir encore, ils lui ont refusé la liberté provisoire pour aller se faire soigner. Ils lui ont refusé la liberté provisoire pour aller se faire soigner. Monsieur Escarmouche, alias Elmout Ngeleka. Miyi binyo sobo yibana bango mbongo. Tous les voleurs qui vous ont accompagné. Parce que yo kreya klika miyibi. Mais il y a des gens qui ont été soi-disant pour se faire soigner. Bon, c'est autre frappeur ici au Nanyo. Fortuna Biselele, un frappeur. Et aujourd'hui, Biselele rentre en force. Biselele a repris à faire la loi. Biselele roule avec le cortège de la garde républicaine. Oyo Kolokato Nini. Ndumba ya biselele otateo atika mitunyo sotu ya mabele libanda tozo kotala. Acheboye. Ayo kisi ba mama soni mutakale etamboli mokili mobimba. Biselele que vous avez dit qu'il était rwandais. Bozuye na ba passeport à ba rwandais. Boke na ndakune vous avez trouvé 11 millions de dollars en liquide. Je parle de 11 millions de dollars. Bokangiye, bo distraye ba tobotye na makala. Aujourd'hui biselele est revenu en force en plus. Et c'est Biselele qui a imposé à Samalou Kone d'imposer aussi à son tour le Tchokovar Peter Kazadi pour Kebazongsa, le bandit ici de Ngobila. Le bandit Ngobila là. C'est Biselele. C'est Fortuna Biselele. Bon libéré. Kamere, Diango, Yongeleka,
Bamolona, mi yibi mi balé. Bokei bo bimisi plusieurs centaines de millions de dollars dans les caisses de l'État dans l'affaire Sanjou. Bo yibi bi son bongo wa tozo kotal. Kamere mo yibi, yongele ka mo yibi. Django na bamolona, mi yibi. Bo frappe Sanjou wa. Bo sali ba venture, bo tindi kamere na prison. Oh kamera zobela, kamera zobela. Bo kenda bo limbi sa kamere. Toutes les personnes, ba makabuza, ba wenga, tous ceux qui étaient arrêtés, ba tilmans. On se trouve à Kanga, on a moyé bien 100 jours, on a moyé. Mais Salomon il dit, il a bané qu'on peut s'amouter au Mbongo. Tant qu'on a eu 5 euros, il a 10 euros, il a remis la massanga à Bruxelles. Salomon qui lui donnait l'argent pour qu'on a fait cette classe. Salomon qui est allé payer la morgue de son père plusieurs années. Il est malade, mourant. On leur demande droit à se faire soigner. Baboui. Je vois que Bazolo Bake, Batinda qui se fait soigner na campus. Mais nous avons tout na monsieur Escamouche, alias El Moutengeleka. Ce qui est le Salomon Idi Akufi, yo Félix Tshisekedi de Oganini. Félix Tshisekedi de Oganini. Bon, Banda qui a eu Bazio na Mundouki, Mundouki souté, ou Bazio na Boy, Bazio, procès au Kendete, vérité zate. Mais il est malade. Bobomi chéribé au Kendawa, Bobo y moi si naïe a voyagé. Boko si biso notre zone de la autopsie. Bobengi si basu d'Africain son abanani baya. Ti le rapport exaté. Le procès n'évolue pas, rien n'avance. Allez, bozu et le rôle en Dakar là, bozong c'est les familles naïe, bakendo kundaye. Bokanga bato, soit disant chauffeur naïe. Moutoua boma chéribé au Kende, Azakuna na demia pafanda. Parce que c'était le frère d'Engeleka qui avait commandité. Balingi si goba boma Salomon Idikalonda. Monsieur Kalonda est sérieusement malade. Il ne leur demande que le droit d'aller se faire soigner, mais baboui. Mokili alimbanga en tabac. Mokili ezalimbanga en tabac. Papa, mela tivas. Mela tembo. Lia babou la foufoua minene. Boma batu nengo zoko boma. Kanga batu nengo zoko kanga batu. Souka na yo ezali. Boma Batou, libérez, donnez l'occasion à ces messieurs d'aller se faire soigner. Ils viennent de repousser, de refuser encore sa demande de liberté provisoire. Bazor le Banaya qui est de se faire soigner na campus. Na campus qu'on a à l'université à Kinshasa. Si un malheur arrive à Salomon, il dit, l'assassin, ça sera le fils de la malédiction qui est au sommet du pouvoir. Qui règle des problèmes personnels. Parce que tant Wana, Nasengaka Mbongo, Pechoana Makarangaï, a commis président, il règle des problèmes personnels à Salomon Idi, qui est mourant. Les informations à ma possession sont inquiétantes. Le gars est mourant. Mais Ngeleka ne veut pas les laisser aller se faire soigner. Ngeleka ne veut pas les laisser aller se faire soigner. Ma pensée à M. Salomon Idi Kalonda en ce moment ici. Ngeleka a reçu les léopards. Il a reçu les léopards dans son spectacle. Parce qu'il y a l'ingabouzo Bandengwan. Il a fait des discours. Il y a Yambi Yambi Batou. Il a fait un petit discours. J'ai pris un extrait assez évocateur. J'aimerais que toi, Landango, je reviendrai comme ça. Ça me permet aussi d'ouvrir directement le dossier de l'Est de la République. Suivant Elmout Ngeleka avec les léopards. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés
à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles, parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles. Tout sur ce plateau. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Vous venez là de suivre M. Escarmouche Alès et Helmut Ngeleka dans cet extrait que je choisis avec les léopards. Les léopards, ce n'est pas une affaire de politique. Les 11 nationales, les fauves de la RDC nous ont très valablement représentés. Ça ne sera pas la première fois que je l'ai dit dans cette émission. J'ai eu le temps de les applaudir et j'ai eu le temps de leur présenter les félicitations des Perouluara et probablement de tous ceux qui m'aiment. Ils nous ont valablement représentés. Mais dans le discours que vous venez de suivre, j'ai été attiré par quelque chose dit par Helmut Ngeleka. Ngeleka dit qu'il est fier des léopards et surtout du geste que les léopards ont produit, parce que ce geste-là, je le cite, a permis de révéler la situation à la communauté internationale sur la guerre d'agression. Donc pour lui, le simple geste des léopards a fait bouger les lignes et aurait fait comprendre à la communauté internationale la situation. Voilà l'inconscience de cet homme, l'irresponsabilité de cet homme. Il a envoyé sa milice, il a envoyé ses frères les Balouba, les Wewa, aller casser les ambassades, aller casser et brûler la MONUSCO. Il a envoyé ses voyous de l'UDPS, des gens des forces du Progé. C'est eux qui ont cassé. Il a utilisé Ndumba Oyamukuna. Vidéo n'est dans la semaine prochaine. Ndumba Oyamukuna. Tato Yabali Bolongo Yaba Kimbiolongo. Les faux pasteurs, Pascal Mukuna. Tous ils sont passés dans des réseaux sociaux pour lancer des messages. Et les gens sont allés brûler les ambassades là-bas. La dernière fois ici, j'ai posé la question. J'ai dit, mais messieurs, si la communauté internationale commence à être saisie, selon Ngeleka lui-même, seulement par un simple geste, à quoi aura servi la diplomatie agissante? Ngeleka nous a menti lorsqu'il justifiait tous les voyages. À ce qu'on draguait Bassi, naba voyage. À ce qu'on discutait, ba facture, yaba hôtel. Naol, président de la République, lorsqu'on leur demandait, ils nous parlaient de la diplomatie agissante. Aujourd'hui, la diplomatie agissante d'Ngeleka n'a pas su révéler la situation du pays et il dit que c'est ce geste des léopards qui nous a amenés dans ça. Échec total. Plus d'un milliard de dollars dépensés dans des voyages inutiles de ce monsieur. Aujourd'hui, la diplomatie agissante n'a pas réussi à faire comprendre à la communauté internationale la position de la République démocratique du Congo. Ngeleka nous fait croire aujourd'hui que c'est le geste, vous l'avez suivi, de léopard qui amène la... Attendez, on est dans quel pays? On joue à quoi? Regardez-moi en face, dites-moi à quoi vous jouez. Mais, mes chers frères, cette communauté internationale, la République démocratique du Congo a son levier, c'est sa diplomatie. C'est sa politique étrangère. En deuxième année de gradué à l'IFASIC, le professeur Mamba, je le cite, le professeur Mamba m'a dit que la politique étrangère, c'est l'ensemble des efforts fournis par un pays au fait de contrôler l'environnement externe par la préservation des situations positives et la modification des situations négatives. Vous avez une politique étrangère, c'est comme un instrument qui vous aide à contrôler votre environnement externe. Et ce contrôle se mesure par deux choses. Vous contrôlez l'environnement externe, vous préservez les situations qui vous sont favorables et vous vous battez via la politique étrangère
pour modifier les situations qui sont défavorables pour le pays. Et la politique étrangère a un instrument majeur, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Qu'est-ce que la diplomatie à l'Angélica nous a amené? Comment vous pouvez croire que le monde va nous prendre au sérieux? Ça fait 5 mois, depuis le mois de décembre, aucune ambassade n'a reçu 1 dollar. Tous les diplomates congolais à travers le monde ne sont pas payés. Depuis 5 mois, mes chers frères. Depuis 5 mois. Ils m'ont appelé en train de pleurer. Ngelekaza Yakoloka. Ce type est venu vous détruire. Vous allez obtenir quoi? Depuis le mois de septembre, aucun diplomate de la République démocratique du Congo n'a été payé. Ils ont 5 mois d'arriéré de salaire. Bobenga bango botuna bango. Ils m'ont appelé de partout. Nos diplomates en France, nos diplomates à Londres, nos diplomates en Afrique du Sud, nos diplomates en Zambie, nos diplomates en... Ils m'ont appelé de partout, en train de pleurer. Et nos diplomates qui sont en Europe m'ont même dit que Pérou, on nous a coupé le gaz. Dans des maisons diplomatiques, dans les ambassades, on a coupé le gaz. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer le gaz en plein hiver. Bakati bagaz dans l'ambassade, bah diplomate bazana mbongote. Ngelekazo melativas na tembo. Oui, vous avez lancé un message à la communauté. Allié Foufou, allié Tembo, Amélie Tembo, Amélie Tivas. Il vient nous parler de la diplomatie et il pense que les simples gestes des léopards ont amené la communauté internationale à bouger. Distraction. Les Congolais vous comprendront. Vous comprendrez quand que notre problème aujourd'hui, je me tue ici à vous le dire, c'est lui. Vous avez besoin de secouer le monde. Oh, le monde nous abandonne. Mais vous avez des représentations diplomatiques. 5 mois, mes chers frères. 5 mois. Ils ne sont pas payés. Mais les petits voyous, des bandits qu'il vient de nommer à l'Assemblée nationale, ils réclament 33 000 dollars pour cette législature. Il les a payés 21 000 dollars par mois. Officiellement, la législature est où, collègue? 1,3 milliard de dollars américains pour organiser les élections chaotiques. L'argent qui sort pour l'armée, Bemba que vous voyez là, bah papi mbongo, je vais en parler. Les diplomates, ça fait depuis le mois de septembre. Naba poto, bazako lala naba ndaku, en plein hiver, bakati bango bagaz. Les diplomates n'ont pas de passeport diplomatique. Certains ont des problèmes dans des pays où ils représentent le Congo. Parce que le Congo est incapable même de produire des passeports diplomatiques à ses diplomates. Ba pègre à Bruxelles ou yo. Mi yibio ya Bruxelles. Ba yakipo na kobo mamboka. Et vous voulez alerter la communauté internationale. Avec les Wewa qui sont allés brûler les ambassades. Les bandits qu'il a recrutés là des forces du progrès. Vos ambassadeurs ne sont pas payés. Vérifiez. Depuis septembre, aucun diplomate congolais n'est... Depuis le mois de septembre. Bah fêtez ma bonne année. Et vous voulez, comme ça, comme dans une magie, qu'on vous respecte. Vous prenez un diplomate qui représente le Rwanda. Vous prenez un diplomate qui représente le Congo. À l'extérieur du pays, le Rwandais est logé dans de bonnes conditions. Son pays le respecte. Son pays prend soin de lui. Et vous avez un Congolais depuis 5 mois. Il représente le pays à la tête desquels se trouve un aventurier, un détourneur, qui ne s'occupe pas de ses propres diplomates. Mais quand des problèmes, il dit, votre geste, bande d'incompétents. Mes chers frères, ne vous leurrez pas. Le problème du Congo, l'ennemi public numéro 1 du Congo à l'heure où je vous parle, c'est Helmut Ngeleka, alias Escarmouche. L'homme est en train de vous distraire. L'homme est en train de vous distraire. Vous tous, on tire déjà comme des moutons. Les Rouen, Bandiembo et Bandi Lissous. Bandiembo et Bandi, les chansons patriotiques. Mais beaucoup de bandes sont Bandiembo, les chansons patriotiques, combien? Et tu as dit, je suis libre à ma pasteur à l'Okuta, je suis libre à ma prière dans le stade. Tu as dit, on va prier pour le Congo stade, on va prier pour le Congo stade. J'ai vu Elimoute Signaké Rwangeleka, na moi aussi, il y a Jean-Pierre Bemba. Oh, on prie pour le pays, on prie pour le pays. Na moni Elimoute, oh,
Maman prophétesse, le moutesse, n'y a qu'un angle, première dame de l'Allemagne d'Afrique, à Kangimis, n'habite son bandoloba, barabara, elle m'a dit que c'était un peu comme maman prophète. Mobali n'a rien à me mettre sur la situation. Mobali n'a rien à me mettre. Moi, si à Bemba, je suis ensemble, soit disant organisé ma messe dans Bemba. Mobali n'est pas le bagage qui est rebelle. Ce qui a eu pouvoir, guerre et aussi là. Mobali n'a rien à Bemba. Jean-Pierre, Banda côté pouvoir. A récupéré un certain. Un qui. Basalimès. L'homme qui est Mukuna. Bake ba yibi ba mbongo ba sangani ba mukuna ba kankenza ba miyibi ba de denile sukutu ya zarane kera ba denile sabay tokenda kuna pono sambe la te tokenda la mbongo ba gobenga bino susu toke no sambe anastade ba zwa kie ba memie kuna oh on vient dédier le Congo entre les mains du Seigneur oh prière de dédicace on dédie le pays oh azune mboka il a dédié ça entre les mains de Dieu maman. Lui-même, soi-disant, dédie le pays entre les mains de Dieu. Entre-temps, on les voit avec des insignes de francs-maçons. Zambé va sangsara, sangsara. Banda dédie à Mboka, Mboka Beba. Akuta Kibiso Mboka Kimia. Akeya dédie à Ngo. Allez, Dere Zonga, Nzale Koti Soumakasi, Bunagana, 2 ans yango. Banda ba dédie à Mboka. Zambé nini wana yo, yo kendago dédie à Mboka na ba Mukuna, ba Venturia ba Mukuna wana. Et là, on est en train de vous distraire. Eh, hey, le Rwanda, eh, hey, le Rwanda. Les léopards nous ont réveillés. Et vous, mon peuple, vous êtes en train de le suivre. Vous allez périr. Et nous allons perdre ce pays. Parce qu'il nous manque la connaissance. Parce que nous ne comprenons pas que ce pouvoir de contournement. Cette politique de détournement pour détourner notre attention. Pour que nous n'ayons pas les yeux fixés sur les objectifs. Les vrais problèmes ne servent pas le pays. Les gens suivent. Et quand tu viens leur dire, ils vont dire que tu es Rwandais. Regarde, Louara. Louara. Warawana. Et là, le coup, la Kamara. Wakaikarara. Rararara. Azaya Gisenite. Aza ya kite gate aza tala bo on mene muso ya bi aza sénégalais mama na ya botakina a trompa ki papa na ndingari mo apesi da commande ndira ngoza so note ka so na ndinga habi ndinga ngoza note ka la so ki na tra louvois ba note ka na tra ya fait du louvois. Et ma mère est allée tromper mon père avec ce Ndingari là. Donc, Ngaï n'a pas sénégalais. N'a commis sénégalais pour nous dire la vérité. Donc, nous avons soutenir Bino contre Kabila. N'a pas congolais. Bon, nous avons pas vidéo. N'a pas de statut. 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 Mon pays est plus important que vous. Je vous dis la vérité. Nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir de notre peuple, l'avenir de nos enfants, à cause de vos intérêts mesquins, bande de détourneurs. Bah, bandicrat, tout moroboye. Ils sont venus installer la bandicration au sommet du pays. Balo balabango, sénégalais, rwandais, rwararara. La vérité blesse, mais elle est là. Et je ne me priverai pas de vous dire. La situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'ai vu Jean-Pierre Bemba. Il est allé dans l'Est de la République. Je crois qu'il était à 5 ou quelque chose comme ça. Bolandaye, na fumola ce qu'on teke. Na maramba situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Toland. Du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'intéresser de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, la Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, qui nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présents, la SADEC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo, qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire.
nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. Excellence, vous assurez que ça qui est Goma ne tombera pas entre les mains de l'ennemi? Moi, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. Et vous avez un message particulier pour la population? La population, qu'elle puisse être sereine. Le chef de l'État ne dort pas. Le commandant suprême ne dort pas. Il, jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Sake, soit Goma, et que ça soit protégé, et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque. Merci. Je vous remercie. Merci. Voilà. Né de retour sur ces plateaux. Vous venez là de suivre M. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui a séjourné, ou je ne sais pas s'il est encore là-bas, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bemba vous dit ceci: nous sommes venus régaillardir le moral des troupes. Nous travaillons pour que Sake ne tombe pas et pour que Goma ne tombe pas. Je vous ai dit lors de l'une de mes dernières émissions, si Bemba était sérieux, ce monsieur devait présenter sa démission. Parce que depuis qu'il a été nommé, non seulement qu'il n'a pas réussi à résoudre le problème, il n'a même pas réussi à le faire stagner. Alors qu'on nous avait présenté Bemba Logo là, Hercule Mutamakasi. Donc on a Hercule. Lorsqu'il parle de Sake, lorsqu'il parle de Goma, on a l'impression qu'aujourd'hui le Congo c'est Sake, c'est Goma. Il ne parle plus de Bunagana, de Mbanga, de Bango. Il ne parle plus de Rutshuru, il ne parle plus de Masisi. Je vous ai toujours posé la question. Mettez-vous à la place de ces Congolais qui sont à Rumangabo. Mettez-vous à la place de ces Congolais qui sont à Kichanga. Congolais qui sont à Bunagana. Qui voit ses autorités en train de se dire Goma ne va pas tomber. C'est-à-dire que nous, vous nous avez abandonnés. Vous n'évoquez même pas le problème nous concernant. Donc, le Gomatracien sont plus Congolais que les autres. Et il y a des camps de réfugiés à quelques mètres de là. Ils ne viennent même pas organiser ça. Bemba vous dit on va s'organiser. Mais écoutez ce que je vous dis. Sake va tomber, Goma va tomber, Bukavu va tomber. Ne suivez pas ce que ces gens-là disent. En termes de force de frappe, ils ne vont pas résister devant les gens de Corneille Nanga. J'ai parlé avec Corneille Nanga, il rigole. Entre-temps, il parle, entre-temps, Bazo Luke n'a cessé, c'est pas négocié. Bazo Luke n'a cessé. Vous voulez négocier quoi? Et qui va vous croire, vous? Ils ont détourné l'argent des militaires. Je vous ai cité les noms. Nani, comment est Nani? Nicolas Kazadi, un certain pasteur Shekina, Atambola Nangelek, Bambongo Zoko Bima, Bazako Iba. Vos militaires sont mal payés, sont mal équipés. Ils reçoivent une prime de guerre de 10 ou de 20 dollars. Alors que les bandits qui sont à la tête du pays, eux volent l'argent. Et Bemba va aller là-bas vous distraire. Oh non, on est en train de travailler. Ça qui ne va pas tomber. Ça qui ne va pas tomber. Il est en train de vous distraire. Bemba ne vous dit pas. Lui qu'on présentait le roi la Pomba, le roi Mutamakasi. Il a récupéré combien de kilomètres carrés? Il a amélioré en quoi la situation de nos militaires? Regardez les militaires qu'ils ont recrutés. Leurs frères Wewa qu'ils ont recrutés, qu'ils ont formés ici. Oh, bah, monsieur Sosa, disait, bah, tiens, bah, en Égypte. Mais bon, t'as là, bah, militaire. Garde républicaine. Unité d'élite. Chargée de garder le président de la République. Azu, bah, militaire, bah, zalé, ikuna. Ba Youssef, ba militaire, ba colonel Zoro, a pandi bango, ba mususu akangi bango. A kaya recruté ba frère na ba wewa ba luba.
Bah même ils vont salir dani formation militaire mon quoi na qui bon mangwa wa haute il y a le kuta sur 40 jours papa se bon va armer non ce sont ses frères ils vont se battre pour lui bota la militaire na yewana vous allez protéger ça qui ça c'est un militaire de la garde républicaine unité d'élite on me soit ndobenga bana mura bota la mona mura ya muluba parce que recruté comme parce qu'aza muluba bota la image on continue l'émission après. On va te filmer quand on met ta massasse. Yo met ta massasse. Oh yo Basimbio sont tes grands frères. Ce sont tes grands frères. Je suis en train de filmer, tu veux tuer tes grands frères. Yo. On est en train de filmer. On va imaginer la nuit. Quand on va bien, on combat ta massacité. Oh yo Basimbié, je suis en train de le répéter. Je suis en train de le répéter. Les gens qui les tiennent, ce sont ses grands frères. Les deux grands frères l'ont retenu. Parce qu'il veut tuer quelqu'un. Voilà. Parce qu'il est. Voilà. Il est venu me menacer, son mandat. S'il vous plaît, si vous êtes les autorités, veuillez prendre ces images et arrêter ce monsieur. Ce monsieur ici. On le dit bien, c'est notre papa Lek. Mais il veut tuer parce qu'il a l'arme. Il est venu nous menacer. Ce sont des types, ce sont des soldats pareils que vous voulez protéger la population. Ce sont après avoir été ivre. Baba Koukouata, on va t'arrêter. Ok. Vous allez protéger ça qui avec déjà comme ça. Quelle formation? Bonjour Gaïté. Ndegelaï, Mouloupa. Donc c'est des gens qu'on a recrutés ici parce qu'ils sont kassaïens. Ma commission va garde républicaine. Et ben va vous dire, nous allons protéger ça qui. Nous allons protéger ceci, nous allons protéger cela. C'est compliqué. Mes chers frères, retenez ce que je vous dis. Vous vous souviendrez de moi. Et rappelez-vous qu'à son temps, je vous ai dit ici sur ce plateau que vous avez le malheur d'avoir un incompétent, un jouisseur au sommet de votre pays. Il ne comprend pas les grands enjeux. Il est entouré de frappeurs. Toutes les décisions que ce monsieur prendra par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République seront des décisions qui viendront mettre en mal votre pays. Boré Bobine Bakassette et Nalobango Mikolonioso, vous allez me donner raison. La guerre dans l'Est de la République a pour responsable Escarmouche alias El Moutengeleka. C'est lui. Mais regardez maintenant ce qu'il est en train de faire. Il superpose les unités comme ça, les militaires. Il vous a dit que l'EAC va chasser le M23. Il vous a dit que le Kenya va rentrer par Bunagana. Il vous a dit que le Kenya va chasser le M23. Le Kenya n'a pas chassé le M23. Aujourd'hui, il n'a plus de bons rapports avec l'EAC et il est incapable de nous sortir de cette situation. Rappelez-vous que lorsqu'il est entré, lorsqu'il nous a fait adhérer dans cette affaire, sur ces plateaux, parce qu'il me suit, parce que ses services sont là, ils me suivent. Basalelanga cellule na aner. Je leur avais dit, c'est une grave erreur. Vous allez mettre le pays dans une situation catastrophique, ici sur ces plateaux. Bah, yoka quitté. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, il vous fait croire que c'est la SADC. C'est la SADC. Ils ont amené des militaires de la SADC. Et les Sud-Africains se précipitent. On vous dit que l'Afrique du Sud envoie 2900 militaires. Ils ne feront rien, mes chers frères. Les Sud-Africains se précipitent parce que Ngeleka leur a promis une mine. La mine de Mwangachuchu qu'ils ont arrachée à Mwangachuchu. Plus de 200 millions de dollars de production. Les Sud-Africains, Bazuyango. Vérifiez ces informations. Il a donné les mines d'or de l'Est de la République à ses amis burundais. C'est comme ça que vous voyez que les Burundais sont là-bas. Ils prennent vos mines. Comme à son temps, il avait envoyé ces gens. Il a donné les mines, le raffinage. Yaba Or Nabino au Rwanda. Il vend le pays, vous le regardez. Ce monsieur est en train de vous vendre le pays. Il vous vend le pays. Cette histoire que vous entendez de la SADC, les Sud-Africains,
Ba Sud-Africain a pesi bango mine. Biloko ya monga chuchu. Ils ne viennent pas pour se battre, ils ne le feront pas. La mine qui appartenait à monga chuchu, c'est la mine qu'il a donnée aux Sud-Africains. Et j'ai appelé pour avoir des informations vérifiées. Des productions de 200 millions de dollars vont sortir de là. Les Burundis exploitent les mines d'or au sud Kivu. Les Burundis. Nous avons des problèmes parce qu'à son temps, il avait aussi donné notre or au Rwanda. Il a donné notre aéroport, l'aéroport de Goma, comme une sorte de hub au Rwanda. Il avait même à son temps permis, heureusement qu'on s'est opposé, aux policiers rwandais de venir sécuriser Goma et l'aéroport de Goma. C'est lui, Ngeleka. Il a permis à Rwander d'atterrir chez nous. Il a permis à Paul Kagame de dormir chez nous. C'est lui. Il a pris le M23, il l'a amené chez vous. C'est lui. Aujourd'hui, il vient vous superposer maintenant les armées de la SADC. Mais avant que la SADC ne vienne, parce que là, ils sont en train de crier maintenant, la SADC, le Sud-Africain, 2900 militaires. Mais messieurs, vous, vous avez dit que l'EAC allait terminer la guerre. Vous avez crié, vous avez critiqué votre propre armée. Vous nous avez dit que le Kenya va rentrer par Bunagana. Congolais, un peuple à Ndengenini. Vous êtes quel genre de peuple? On vous ballotte comme ça. Le Rwanda, le Rwanda. Babandi Banzembo. Babandi ba. Chant patriotique. Chant patriotique. Vous allez chanter combien de chants patriotiques? Vous là. Chant patriotique. Chant patriotique. Banzembo Bandi Kobima. Ba prière à l'okouté Bandi. Je vous ai dit. El Moutes Niake Roake Kosambela. Robodo bodo 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 bodo. Robodo bodo 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 bodo. Ndarabandan. El Moutes Niake Rwangeleka. Première dame. Kuna la moni moi si abemba. Kantan tan 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 tan. Katara don 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 don. Mi bali na bino bazana pouvoir. Bazo bo mamboka. Bango moutoubaye na guerre wana. Bouti kanzambe kimia. Bouti kanzambe kimia. Vous allez encore nous prendre des escrocs de Mukuna ici et de Kankenza. On va encore aller prier au stade. Le même stade où vous avez dédié la nation entre les mains de Dieu Maman. Miibi. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas qu'on vous dise ça. Nous avons combien d'armées superposées sur notre sol? Toutes les décisions. Et il y a la SADC, il y a l'EAC, il y a les mercenaires. Les Roumains qu'il a recrutés à qui il paye des 9000 dollars. Les Roumains. Il y a des mercenaires. Mboka Nino yo muto yo. Azome mabiso wapi. Azu pouvoir en 2019. Awa bandeko. Dites tout ce que vous voulez. Il n'y avait pas le M23. Bunagana nous appartenait. Quand on lui a dit qu'Ozoko Bomamboka, Ozoko que nous a Paul Kagame. La vidéo là est où? Oh, il y a le Paul Kagame Azali. Il faut tcher la main. Oh, bon tcher la main. Et quand on a ma vidéo, il y a le Boswana. Reviens un peu sur ça, sur Tokozong. Tell me when you are ready. Mr. Can you translate the. Toko Kende Wapi. Toko Kende Wapi. Topeki Saki Ayokite. Azoko Panzamboka. Mais, retenez ce que je vous dis. Ça qui va tomber. Goma va tomber, Bukavu va tomber. Et quoi y a? Parce que vous avez un commandant suprême inconscient. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut l'amener jusqu'au bout pour lui imposer des négociations. La communauté internationale, le plan de la communauté internationale aujourd'hui, c'est qu'il faut négocier. Et lui qui était fermé à la négociation, il sent qu'il est en train de perdre la partie. Et on dit qu'il est prêt maintenant à ouvrir des négociations avec les Rwandais et les M23. C'est là que je venais dire une chose. On va les pousser au bout. On va l'amener entre... Bah, qu'on me mette dans quoi un mur. Mais le problème, c'est que même les partenaires qui viendront négocier avec eux, tous ils savent que c'est des processus qui n'aboutiront pas. Parce que à respecter Kaelo côté. On est dans une sorte d'impasse. We are at a stalemate. On est dans une sorte d'impasse, Bandeko Nangaï. On est dans une sorte d'impasse. Qui va aller s'asseoir sur une table pour négocier avec Ngeleka?
il a déjà respecté quoi? Il a respecté quoi? Les gens ne vont pas accepter ça. C'est là que le seul larron qui nous reste pour sauver le pays, Kabila Kabang et Joseph. Ici, je voudrais relancer un appel à Kabila. Tiens, dans l'obaté. Dans l'obaté, Ramon et Komoa, aux autres soufflés, ma cam. Kabila! Vous avez une dette pour ce peuple. Vous devez à ce peuple la destruction de votre monstre. Joseph Kabila, vous devez aux Congolais la destruction de ce monstre. Vous avez fabriqué un monstre qui nous amène vers l'enfer. Après l'échec des opposants ici qui n'avaient rien préparé, qui sont venus comme ça, comme des moutons, créditer un processus frauduleux, un processus mafieux, et qui aujourd'hui sont perdus, tous ceux qui sont allés aux élections. Quand je regarde, nana posaro, mukom, bafana kaka, bafana. J'ai beaucoup d'amis parmi eux. Yango bomona, na okene bango malembe. Mais ils m'ont déçu. Donc, ils sont allés là-bas croyant que Ngeleka. Attends, ma bouche là. Après le chèque de ces gens, monter, descendre, la seule possibilité qui nous reste pour démanteler ce réseau mafieux de la pègre bruxelloise qui est au pouvoir, c'est Kabila. Et Kabila, ici je relance un appel, c'est un SOS. Vous n'avez pas de choix, sauvez votre peuple. Sauvez le pays. Nous sommes en train de perdre le pays. Ah, les gens n'aiment pas quand je dis ça. Mais c'est même Kabila là. Mais c'est lui qui l'a fabriqué, non? Kabila n'est pas saint. J'ai toujours dit, Kabila n'est pas saint. Je l'ai dit. Mais vous n'allez pas me contredire. On ne peut pas comparer Kabila avec Escarmouche. C'est le jour et la nuit. Nous, nous avons été au front pour s'attaquer à Kabila, nous. Nous avons soutenu ces aventuriers qui sont au pouvoir. Nous avons combattu médiatiquement Kabila ici. Nous avons été courageux pour dire, si c'est vraiment pour ça que nous t'avons combattu, M. Kabila, pardonne-nous. Avec toi, le pays était dirigé. Tu es un homme d'État. Avec toi, on ne savait pas qu'un président de la République peut aller danser dans des boîtes de nuit et dans des fêtes. Qu'un président de la République est amoureux de Tembo et de Chivas. Qu'un président de la République peut avoir des copines, qui peut avoir des maîtresses, qu'il chasse au vu de nous tous. Qu'un président de la République peut être ballotté par les gens de la sous-région. On ne connaissait pas ça. Kabila était un mystère. Bolingato, bolingate, je l'ai dit. Kabila est responsable de ce qui nous arrive. Kabila nous a mis en place un démon. Kabila nous a fabriqué un monstre. La responsabilité de Kabila ici, j'en appelle à sa responsabilité. Venez sauver le peuple. Venez sauver le peuple. Aujourd'hui, seule la lutte armée peut chasser Sengeleka. Seul un mouvement armé avec un peuple amorphe, à Fandeli Maki, avec des politiciens inconscients qui n'ont aucun plan, incapables de mobiliser leur peuple, ce monsieur ne partira que par les armes. Nous soutiendrons une révolution armée. Nous soutenons ça. J'assume. Tu soutiens les gens. Ils tuent tes propres frères. Responsable Makambo et Zangeleka. Ils vous drainent à Zoko Sabino. Préparez-vous, mes frères. Nous allons soutenir des gens qui décideront de faire une révolution pour chasser Sengel. La République est plus importante que lui. Nous devons sauver le pays. Ici, je lance un appel pathétique à Kabila. Dites-lui, s'il ne me suit pas, que le Congo a besoin de lui. C'est lui qui a mis en place ces monstres qui viennent les démanteler. Les 5 ans de Tshisekedi nous ont montré que Kabila n'était pas l'homme qu'on croyait. Soyons sérieux, reconnaissons-le. Reconnaissons-le. Moi, j'ai des amis qui n'aiment pas quand je dis ça. Mon problème, c'est que je suis quelqu'un de verdict. Je suis quelqu'un de vrai. Qui va chasser Ngeleka? L'élonde de Tofandea. Qui peut le chasser? Et qui va le chasser? Ce Kabila de. Nane Robin Alaye.
que Kabila a la responsabilité de sauver le pays. Le pays, on est en train de le perdre, frère. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Ne vous dispersez pas. Ne vous leurrez pas. On vous trompe. Le responsable de cette guerre, c'est Ngeleka. Vos ennemis sont à Kinshasa. Avant de regarder le Rwanda, commencez par régler les problèmes que vous avez à la maison. Wana nyo kanakata ndaku. Azo swabina zo loba, botala kuna. Yom tope sa bisoba veneza ndaku. Nyo kakomone Ngeleka. Réglons les problèmes de Ngeleka. On aura résolu aussi les problèmes du Rwanda si on a des autorités responsables. L'émission est terminée. Grand merci à vous de m'avoir suivi. Retrouvons-nous demain, c'est vendredi. J'espère que je serai là vendredi. Si je ne suis pas là vendredi, je serai là samedi, c'est plus sûr. Mais je compte être là avec vous demain. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous et merci à vous de m'avoir suivi. Je reviendrai sur ces histoires du gouvernement avec Abouya. J'ai déjà fait quoi? Une heure, plus de 20 minutes. C'est trop. À la prochaine émission. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. À Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a honnête l'alliance du fleuve Congo. L'alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke ba zui localité moko, to ba beti lisa si Congolais moko akoufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi,
je fais feu. Monsieur le Président, on parle... Et on a... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est...